Salut tout le monde, bon matin! Alors j'ai une to-do list aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais cocher ma to-do list avec vous. On est mardi le 20 avril, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai à faire. Premièrement, je dois répondre aux commentaires YouTube parce que je ne l'ai pas encore fait. Ensuite, il n'y a rien qui est dans l'ordre, en fait, c'est juste que je dois tout faire ça aujourd'hui, mais peu importe l'ordre. Faut que je nettoie le frigo au complet, ça c'est ma tâche que je déteste le plus. En fait, ça puis faire la vaisselle. Mais faire la vaisselle, je le fais tous les jours, donc je commence à être habituée. Mais nettoyer le frigo au complet, c'est-à-dire baigner toutes les étagères dans le bain, c'est super long à faire. Mais il faut absolument que je le fasse avant le déménagement. Je dois aller faire l'épicerie, j'ai quelques trucs à acheter pour la semaine. Ensuite, je dois aller à la pharmacie parce qu'il nous manque, ben il me manque du démaquillant. Il me manque aussi du dentifrice, on n'a plus de dentifrice et peut-être autre chose, je vais devoir parler avec Flo. Sinon, je dois gérer les annonces Marketplace, je vous le dis là, c'est la folie sur Marketplace. La folie, je me suis réveillée ce matin, j'avais 35 messages. Alors j'ai fait ça ce matin, normalement je réponds aux commentaires YouTube le plus rapidement possible, tu sais, quand je me réveille. Mais là ce matin j'ai géré les 35 messages, j'ai répondu à tout le monde parce que je réponds à tout le monde. Et voilà, parce que j'aide aussi, ma mère elle m'a demandé de mettre sa table de patio qu'elle a en arrière dans sa cour arrière, sa table avec ses 6 chaises et son parasol, de mettre ça en vente. Et ben en fait les 35 messages, sur les 35, ben les 35 c'était pour la table de ma mère. Donc voilà, j'ai ça à gérer aujourd'hui, puis j'ai 2 personnes qui vont venir aujourd'hui acheter des trucs chez nous. Sinon on doit démonter la penderie. La penderie, elle est dans la chambre de Léa présentement et ben c'est tellement gros que ça passe pas par la porte, il faut démonter ça. On a déjà commencé, mais il faudrait terminer ça aujourd'hui. Flo, en ce moment, il est allé porter Léa à la garderie, donc il est pas là. Il va revenir, il va faire sa sieste, donc ça sera pas avant, à mon avis, ce sera pas avant ce midi, voire en début d'après-midi qu'on va faire ça pour la penderie. Fait que c'est cela, une journée assez maussade aujourd'hui, je vous dirais. Il fait pas beau là, il pleut. Il fait combien de degrés? Il fait 7 degrés ce matin, puis ça va monter à 10 degrés, donc c'est... Puis il n'y a aucun soleil là. J'ai allumé toutes les lumières parce que ma ring light, ce qui me fait une luminosité artificielle dans mes vlogs, ça c'est parti dans les boîtes. Alors là j'ai allumé la cuisine, j'ai allumé la salle de Flo, la lumière là, la lumière dans le passage pour être sûr que la luminosité soit correcte. Et même à ça, je sais que ça pourrait être mieux avec la ring light, mais que voulez-vous, hein? C'est comme ça, on déménage dans une semaine. Alors c'est parti, je vais commencer avec les commentaires YouTube. De me rendre compte que j'avais oublié d'écrire quelque chose sur ma liste. J'ai de la vaisselle à ranger et puis j'ai de la vaisselle à faire. Donc je vais faire ça tout de suite parce que là je m'en allais faire le frigo puis je me suis dit ben, c'est où que je vais placer tous les trucs du frigo si le comptoir est plein. Alors voilà, je vais faire la vaisselle en premier. We'll be right back.
démonter la penderie. J'ai entendu un gros bruit dans la chambre. Je suis allée voir et puis en fait la penderie, Flo a essayé d'enlever un côté de la penderie et puis s'est effondrée par terre et je crois qu'elle est destroyée. Je pense qu'elle est finie. On s'en doutait fortement. En fait, Flo, quand il a monté la penderie, il s'était dit « Quand je vais déménager d'ici, ça va partir à la poubelle parce qu'il sentait que c'était pas très solide. » Puis comme de fil, là, ça vient tout de tomber. Je vais aller vous montrer ça. Ça le fait un vacarme, pas besoin de vous dire quand c'est tombé. Ça a craqué ici aussi, ici, puis par là-bas. Alors je viens de descendre tout le meuble brisé en bas dans la rue. Le meuble. Comment? Il t'en reste encore. Oh non, pas vrai? Je pensais que j'avais fini. En tout cas, il m'en reste beaucoup à descendre? C'est des planches en fait. Quelques planches. Il reste quelques planches. Ok. Voilà. Sinon, il y a le meuble de l'entrée. Je sais pas si vous voyez là. En tout cas, il apparaît souvent dans les vidéos. Qu'on a mis en vente. Et probablement quelqu'un qui va venir ce week-end le chercher. Et bonne nouvelle. Bien content. Puis ben, il va falloir qu'on s'achète une nouvelle penderie. Éventuellement. Alors, on a un garde-robe dans notre chambre, dans notre nouvelle chambre. Mais ce sera sûrement pas suffisant pour y mettre tous nos vêtements. Surtout qu'on vient de vendre. C'est vrai, hein, Florian, surtout qu'on vient de vendre notre commode. Fait que là, on n'a pas de commode. Ah, ben non, elle est partie. Ah, celle-là, oui. Oh, oui. Tu sais, on n'a plus de commode, on n'a plus de penderie. On aura juste un garde-robe. Fait que ça veut dire qu'il va falloir trouver quelque chose. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de s'acheter quelque chose. Ben, une nouvelle penderie. J'ai regardé sur Ikea. J'ai vu des penderies à 200$. Fait que ça va peut-être être ça. Puis il y a un lit pour Léa. Mais là, c'est ça. Son lit, en ce moment, il se vend pas. Ben, il n'est pas encore vendu. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va être intéressé à venir le chercher avant le déménagement. Fait que c'est cela. C'est ça le petit update. Et puis là, le temps avance super vite. Tantôt, je vais aller chercher Léa à la garderie. Mais avant d'aller la chercher à la garderie, il faut que j'aille à la pharmacie. Puis je vais aller à l'épicerie avec Léa.